Je n'ai jamais fait ce jeu alors, donc du coup, on va avancer tranquille. À toutes les unités, 1199, exécutez code 3, hôpital psychiatrique Beacon. 184 reçu, code 3, on y est dans 3 minutes. Compris, 184. Désolé, inspecteur. Je sais bien que vous venez de boucler, mais je crois qu'on va devoir faire un détour. Qu'est-ce qui se passe? Une émeute? L'appel a été lancé avant que je passe vous prendre. Homicide multiple, il paraît. Il y a déjà une douzaine d'unités sur place. 131, répondez. Eh, c'est peut-être le fantôme de Zogner qui est devenu dingue et qui a charcuté ses patients. C'est pas ça du tout. Des patients ont disparu. Et on n'en sait pas plus. Ouais. Ça reste flippant quand même. 127, 124, répondez. Joseph, tu penses qu'il y a un lien? C'est bien possible. C'est sous-scellé, mais j'ai mes sources. Si vous êtes sur place, répondez. Centrale, inspecteur Castellanos dans la 184. Quelle est la situation, à vous? 184, des problèmes sont arrivés à toutes les... sur place, Boreal Victor. Est-ce qu'il y a des... Les bordels, putain! Et vous, inspecteur Kidman? Qu'en dites-vous? Pas grand-chose. Je pense qu'on en saura plus une fois sur place. Conley, contactez le central et faites-leur un rapport. Joseph, Kidman, avec moi. On va aller jeter un coup d'œil. Ok. Lol, t'as vu l'intro, mon Charlie? À la Resident Evil 4, regarde! Qu'est-ce qu'il y a, Kidman? La pluie va faire disparaître tous les indices. Ah ben, c'est qu'il faut que je mince... Attends. Option. Ok, c'est Q, nanana, fouiller le corps, allumer la torche. Ok, je pense que c'est bon. Ok, c'est bon. Ah, faut pas les parler d'abord? Non. Il y a comme une odeur de sang. Ok, fais gaffe. On va voir à l'intérieur. Que personne d'autre ne passe cette porte. Je pourrais me rendre un peu utile. On sait pas ce qu'il y a là-dedans. Restez en soutien. Ah, c'est un meurtre. Tu as entendu?
les survivants. Mon Charlie, je vais avoir peur, mon Charlie. Oh, il y a du sang, le reflet du sang, regarde. Il a éclaté sur le truc. Ah, oh, il y a des gouttes. Regarde. Ah, oh, c'est dégueulasse. Vous êtes blessé? Que s'est-il passé? C'est pas vrai. Possible. Reviquez. Je m'en occupe. Tu devrais vérifier les caméras de surveillance.
cœur. J'ai des remontées de cœur. J'ai eu peur, mon Charlie. Je boite. Mon Charlie, il boite, mon Charlie. Ah, je suis coincé. Je vais allumer un petit peu le... Voilà, parce que autrement je vois pas. Je vois pas grand chose autrement. Pas où c'est la sortie du coup. C'est pas une porte ça? C'est pas une porte ça.
L'inventaire, c'est quoi l'inventaire? C'est V. Et marcher, je vais marquer... Qu'est-ce que je pourrais marquer comme... W, allez. Marcher, c'est W. Ok. J'ai pas le droit à l'inventaire ? Ok, alors on n'a pas besoin de l'inventaire. Ok, ça c'est pour courir. Si je descends dans l'eau là. Il n'y a rien au fond. Y a rien. Monter? Non, on peut pas monter. Donc forcément, la solution est de ce côté-là. Il y a une table là. Faut rien faire. Thank you.
Merde, une impasse. Alors, du coup. Là, il y a deux cadenas. Trois catins. Ah, il y avait un passage là. Alors on va, parce que la première note j'ai pas pu lire, donc on va lire la deuxième note. 13h, début du test opérationnel du système Team ou Steam, je sais pas. 15h30, réussite de la confirmation de la synchronisation des ondes cérébrales, perte minimale, poursuite de l'expérience, récupération des données de l'argent. 13h30. Mais comment on fait pour regarder les notes? Bon, bref, je lirai au retour de mon stream. Il y a des énigmes à faire? Donc ça sent pas bon tout ça, hein.
attendez, je vais faire une pause parce que j'ai peur. Mais lol, mon Charlie, j'ai peur. Attends. Ouais, je sais pas si on m'entend. Allez. Est-ce qu'il va revenir d'arrière ? L'icône d'alerte. Alors, à proximité d'un ennemi dans les parages, un ennemi vous a vu. Lorsqu'un ennemi se trouve dans les parages, l'icône A à proximité apparaît. Lorsqu'un ennemi vous a vu, l'icône repérée apparaît. Faut pas qu'il me voie. Thank you.
Décapité, mon Charlie. Ah ouais, d'accord, je recommence là. J'ai fini l'intro. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fini l'intro. Find myself within. Darkness twisting me around. Si j'ai peur mon Charlie. Mais lol, t'as pas vu comment j'ai recommencé 4-5 fois le début. Je connais rien en plus, c'est la première fois que je joue.
Attendez, j'arrive, hein. Je vais m'essuyer les yeux parce que j'ai les yeux qui piquent. Ça me brûle les yeux, j'arrive. Ouais, petite pause parce que là j'ai trop peur, mon Charlie. Et mon Charlie? Bon, il n'y a que Charlie sur le comment ça s'appelle, sur le stream. Qu'est-ce que je veux dire? T'es content que je fais The Evil Within? Ou pas? Parce que ça change de Resident Evil. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Charlie? Ça change de Resident Evil, hein? Plus, j'ai jamais fait ce jeu, alors bon. Je sais pas si je vais y arriver, hein? Je vais voir s'il y a une carte. Est-ce qu'il y a une touche pour la carte? Non. Il n'y a pas de carte. Ok, il n'y a pas de carte. Ok.
Allez, je vais faire une petite pause de quelques minutes là. Le temps de, comment ça s'appelle, de me mettre dans l'histoire. Parce que, voilà, ça a été très intense sur l'introduction, vu que je n'ai jamais joué à ce jeu. On va le découvrir en stream sur la plateforme de Twitch. Pour ça, on va essayer de survivre au maximum. Du fait, c'est un petit peu différent de Resident Evil, parce que j'ai vraiment bien l'habitude de ce jeu-là. On va voir l'ambiance déjà. L'introduction nous met déjà dans l'ambiance d'horreur. Et du fait, ben, c'est assez gore. Donc, pour les rediffusions, pour les personnes qui regardent, si vous êtes mineur, abstenez-vous à regarder cette rediffusion. Tom, j'ai en train de faire Evil Within et j'ai peur, mon Tom. Désolé, mais il est pas ressorti. J'ai attendu, mais... Allez, calme-toi, Leslie. Calme-toi, Leslie. Merde! On pourra pas y retourner. Ah.
Fais chier. On peut contacter personne. Tout le monde est sûrement mort. Comment ça va à l'arrière? Quelques bleus, mais ça va. Ça va. Ça ira mieux quand on sera loin. Ça va. Ouais, un peu plus loin et tout ira bien. Ça va. On tombe! Attention! Qu'est-ce qu'il y a? On tombe! Oui, je sauvegarde la partie. Attends, t'es fou, quoi. Je vais pas... Bien sûr, je vais sauvegarder la partie. Alors, découverte de corps. Des corps découverts dans un village au bord du lac. Cause du décès reste mystère. Les plus de dizaines mutilés retrouvés dans le village d'Écriveur. Plusieurs habitants ont porté disparus. Yeah.
Hey, y a quelqu'un? Est-ce qu'on peut ouvrir les tiroirs, non? On peut toujours pas courir. On est réveillé. Tous les autres vont bien? Où suis-je? Mais de quoi parlez-vous? Il n'y a que vous ici. Pour le moment. C'est quoi ce miroir? Hé! Y a quelqu'un? Apparemment, il faut aller tout droit, quoi. Putain, qu'est-ce qui se passe ici? Un hôpital. Ce lieu est important pour vous. Vous êtes toujours le bienvenu ici. Je suis à l'hôpital? Je crains de ne pouvoir vous répondre. Je vous en prie, inscrivez-vous ici. Si vous ne signez pas... Nous ne pourrons pas conserver vos prochains souvenirs. Veuillez me suivre. Qu'est-ce qu'il y a là? On peut lire? Ça sent le médicament. Tout va bien. Détendez-vous. Asseyez-vous donc. Qu'est-ce que vous faites ? C'est pour votre bien. Ne vous débattez pas. Non! Arrêtez! Vous voyez? Voilà. Tout va mieux. Est-ce que je deviens dingue? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je vous attends. Merde. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis où? Kidman! Où êtes-vous? Conley!
Ah, maintenant on peut courir maintenant. Attaquer les corps, vous pouvez attaquer vos ennemis corps à corps. Je sais pas quoi. Hey! Ok, donc on peut pas casser les trucs. On voit rien, hein. Ok, il n'y avait rien là. Il est où le corps du coup? Il n'y a rien là. Ça fait mal. Oh là. Tu voulais me prévenir du piège? Leslie, c'est ça? Je suis inspecteur de police. Je devrais pouvoir t'aider. Merde. Comment je vais faire pour t'emmener à l'hôpital? À l'hôpital. Bordel.
Approchez-vous d'un ennemi au sol, utilisez une allumette pour enflammer et réduire les cendres. Les ennemis sont suffisamment proches, vous pouvez vous brûler. Faut le brûler, lui. D'accord, ok. De Sébastien Castellanos, novembre 2004. J'ai enfin obtenu mon insigne doré, inspecteur Sébastien Castellanos. Ça sonne bien. Il aura fallu le temps, mais d'après ce que j'ai compris, j'étais l'un des plus rapides à monter en grade. J'ai hâte de commencer. J'ai beaucoup plus utile au poste d'inspecteur en tant que policier de quartier. En plus, j'ai besoin de porter l'uniforme ridicule. Ça paie un peu mieux. La police Crime City a besoin de toute l'aide possible. Ces derniers temps, la criminalité a explosé. C'est ma ville, je dois de la protéger. Ok. Ah, mon Juju! Je fais jeu d'horreur, mon Juju. Merde! Tu connais ce jeu ? Je ne sais plus si je rêve ou pas. Attends. Attendez, pourquoi ça me fait le message truc là, dans le jeu ? R supprimé. Quelque chose ne va pas ? J'ai peur, mon Juju. Jauge de vie, plus 10. Point compétence 2000. Ça quoi, augmente la seringue, vous pouvez transporter.
augmente les grenades que vous pouvez transporter. Diminue le temps de rechargement. Permet de diminuer le temps de rechargement. Et là, c'est pour sortir, je pense. Mais comment on fait pour le truc ? Ok. Alors, attends. Et après, comment on fait ? Plus de munitions ? Hé, hey, excusez-moi, vous êtes du coin ? Je suis paumé et... D'accord, mon juju. Ugh!
Permis de viser, d'enclencher la visée automatique lorsque vous êtes certain distance de l'ennemi. Vous pouvez automatiquement proche devant vos cartes en touchant. Est-ce que je peux revenir en arrière? Non. Bonne idée que ce que j'ai fait. On se connaît l'origine du médicament, contient cette seringue de voyage, mais il restaure modérément la santé. Depuis, ce phare éclaire le lac. A-t-il toujours été là? J'ai l'impression que ce faisceau circulaire passe au-dessus, mais traverse comme il l'emportait quelque chose à chaque fois qu'il m'est impossible de souvenir quoi. C'est pas là. Plus de munitions. Comment on fait pour le point là? Là. Thank you.
à rien ce jeu. Ah, faut que je vous laisse. Je suis désolé d'éteindre le stream, mais j'avais quelque chose d'urgence à faire. Du coup, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ce jeu. Je vais regarder un petit peu le... comment ça s'appelle ? S'il y a une carte ou quoi que ce soit, un plan pour voir où on doit aller. Et je vais voir un petit peu ce que ça donne en vidéo pour voir un peu le chemin. Je suis complètement perdu. Du coup, je vais vous laisser là